On va faire exploser 8 claques doigts. Salut à tous mes gazelles. Ah bah non, c'est pas ça. Bonjour à tous et à tous, c'est Chegdakrou, le commentateur préféré de ta grand-mère et de ta petite sœur. Aujourd'hui, c'est moi qui suis chargé de te concocter le petit menu bien sympathique de la On My Way, les bitch. Alors, welcome to the Friday Night Drama. Et bah ouais, j'ai sorti un lundi drama lundi, et puis suite à de nombreuses demandes dans les commentaires ainsi que sur Twitter, etc. Et ben, on a fait un petit vendredi drama. Voilà, retour aux sources, le Friday Night Drama, même s'il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui, on va se le dire. Mais voilà, il n'y avait pas de vidéo disponible de toute façon pour aujourd'hui. Alors pourquoi pas faire un vendredi drama où on dit rien de toute façon. T'es content, t'as une vidéo, tu likes, tu partages parce que bordel de merde, il faut faire des vues sur les vendredis drama. Hein. À la base, ça fait pour ça. Et puis, bah, ça fait plus tellement de vues parce que là, MyUS c'est un petit peu mort. Ah, la communauté, là, on se réveille un petit peu, on sort de sa tombe. Bon, aujourd'hui, on va parler, bah, évidemment, des dramas de la semaine, même s'il y en a pas énormément. Tout d'abord, on a les champions de la performance qui se sont plaints. Bah oui, parce que sur le dernier vendredi drama, voilà, on a taillé la Team 7, on a taillé la Aria Clan, on a taillé n'importe quelle team, on a même taillé la MyUS, hein, voilà, j'ai taillé la. Voilà, ma propre team, et on a taillé également la Awak Clan, sauf que non, on n'a pas le droit d'y toucher normalement la Awak Clan, bah non, c'est intouchable, hein. C'est comme le film avec les handicapés, bah ouais, mais du coup, ils sont plein sur Twitter, parce que ils ont pas compris, ils ont pas... Oui, Timothée, oui, dans le fond, oui, c'est du second degré, bravo Timothée, c'est du putain de merde. Oh, au lieu de gueuler sur Twitter pour des conneries, bordel, essayez de travailler sur votre chaîne pour faire au moins 2 vidéos par semaine. On est en 2018 quand même, il faut prendre la Onmayue un petit peu moins au sérieux que ce que tu prends par rapport aux autres teams. Bon, voilà, on va pas en dire plus là-dessus, mais bon, il y a certains membres à WAC qui m'ont dit, vas-y, il faut quand même parler de la WAC dans les vendredis drama, sinon ils vont se sentir exclus, etc. Hein, bah voilà, c'est la lecture inclusive, la féminisme, etc. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Bref, la WAC clan, détendez-vous, on s'acharne pas sur vous, on s'amuse juste sur la communauté performance, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Bah, je suis allé faire un petit tour du côté de la chaîne de la Team 7 et j'ai vu qu'ils avaient fait une alliance avec une autre team, la Osarius, ou un truc du genre, et voilà, bah ils font des alliances et tout, c'est super pour le monde de la performance, au moins ça prouve qu'il y a une entraide, etc. Mais vous êtes qui? Enfin, je sais pas, le titre, c'est peut-être ça va percer avec ça, je sais pas, tout ce que vous avez percé pour l'instant, c'est ma curiosité. Puis les gars aussi. Arrêtez dans la description ou alors même dans le commentaire de la vidéo de demander des paliers d'abonnés de 15 ou 20 likes, c'est ridicule. Soit tu demandes des paliers de 200 likes ou voire de 1000 likes, etc. Mais voilà, en dessous de 100 likes à demander, ça ne sert à rien. Bon, une autre vidéo que j'ai vue aussi cette semaine sur la Team 7, c'est menace de hack, destruction de la performance, cette team doit être remis en place. Et ça parlait de la Vitrox Clan. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Eh ben, je suis allé me servir une grenadine et je suis allé faire un petit tour du côté de la Vitrox Clan. Et alors là, je suis tombé sur ça. Voilà. Bon, au-delà de ça, c'est une team qui dit que la performance va être impossible sur Call of Duty Black Ops 4, mais qui fait quand même derrière un recrutement pour Call of Duty Black Ops 4. Voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai pas cherché à aller plus loin. Autre chose, cette semaine aussi, ça n'a rien à voir avec la performance, mais il fallait bien évidemment que j'en parle, puisque j'ai appris quelque chose sur moi-même. Voilà. Alors, je suis né en 1998, hein, j'ai déjà un petit peu de passif devant moi, du coup j'ai appris à découvrir la vie, etc. Mais on apprend des choses tous les jours, et puis bah, cette semaine, j'ai appris quelque chose, j'ai appris en fait que j'avais 13 ans. Et même moins de 13 ans, voilà, on me l'a appris cette semaine, et puis bah, je suis content de l'apprendre, puisque je suis quelqu'un qui aime découvrir, qui aime apprendre, et du coup Twitter m'a informé que je n'étais pas en droit d'avoir légalement un compte Twitter, et donc que j'avais moins de 13 ans, voilà, c'est... Merci Twitter, ça fait plaisir, franchement, c'est... Bordel de merde! Oh! Depuis qu'en 2018, moi, 1998, ça fait 13, ça fait 20, bordel de merde! Pourquoi vous faites travailler des gosses qui apprennent les soustractions si c'est pour un truc d'âge limite de 13 ans? Et c'est pas fini, en ce moment, Internet me chie à la gueule, hein, sans parler des problèmes de la OnMyUA, évidemment, avec le compte Google+, voilà, je vous redirige vers une vidéo que j'avais fait sur ma chaîne concernant ce compte Google+, qui n'est toujours pas réglé, évidemment, même si j'ai retrouvé un petit peu accès à la chaîne YouTube OnMyUA, sinon, bah, vous n'auriez pas cette vidéo. Mais voilà, j'ai encore des fonctionnalités qui ne vont pas, je vous redirige vers cette vidéo. Et cette semaine, autre chose, les règles de YouTube de censure ont encore plus été resserrées. C'est-à-dire qu'avant, bah voilà, le robot YouTube, il pouvait détecter si tu utilisais une musique ou alors des images provenant d'une émission de télé, etc. Et puis ces auteurs et ces émissions de télé pouvaient eux aussi la détecter eux-mêmes pour ensuite envoyer des copyrights pour droits d'auteur. Et bah maintenant YouTube, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils détectent eux-mêmes du coup les images et ils envoient carrément à l'auteur, est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir supprimer machin? Et bah évidemment là l'auteur il va dire oui, bon d'accord YouTube, je cède à tes caprices et je supprime la vidéo, alors qu'à la base Europa il voulait pas du tout me supprimer ma vidéo, et c'est sûr qu'il l'avait vu, ça avait fait 650 000 vues bordel. Et là non, YouTube il leur demande, voulez-vous vraiment supprimer machin? Bah oui, là ils ont dit oui les connards, voilà.
Comment supprimer la vidéo la plus vue de ma chaîne avec Wankil Studio et tout là, et puis que tout le monde y avait liké, et puis bah voilà, c'est supprimé. Alors voilà, ça y avait pas beaucoup de drama cette semaine, mais pas mal énervé quand même le chat d'Akroa. Hein. Alors j'espère que la semaine prochaine ça va mieux se passer, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et puis bah, je vous dis à très bientôt sur YouTube. C'était Check d'Akro, allez à plus les gens, hein. Et j'ai pas 13 ans, alors j'espère qu'ils vont me redonner mon Twitter, et j'ai envoyé un mail à Europe 1 pour qu'ils remettent ma vidéo, parce que c'est important quand même, et puis Google aussi, qui peuvent supprimer le compte Google+, là ils en font un nouveau, parce que ça va plus après. Hein, voilà, au revoir. Au revoir.